Donc, oui, tiens. Ong, Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sao Tseng, je reprends le fil de mes questions et à nouveau, je vais vous demander d'écouter précisément les questions pour vraiment répondre le plus brièvement possible aux questions que je vous pose. Hier, Monsieur le juge Lavergne vous a posé un certain nombre de questions sur le site de travail de KPOP Trabec, sur lequel vous indiquez avoir travaillé. J'ai compris que c'était avant le 17 avril 1975. Est-ce que vous pouvez indiquer si c'était avant le coup d'État de Lon Nol de 1970 ou après ? Je vous remercie de cette précision et vous avez également évoqué à l'audience du 24 mars, c'était un petit peu après 10h09. Vous avez, et je voudrais que vous me le confirmiez, indiqué que votre père est décédé en 1973. Est-ce que c'est bien exact ? Est-ce que j'ai bien compris ? Dans le cadre de votre expérience au sein des forces Khmer Rouge, est-ce que vos supérieurs ont eu à évoquer avec vous à un moment ou à un autre les 12 principes moraux ou les 12 commandements révolutionnaires ? Est-ce qu'il est exact de dire que parmi ces 12 principes moraux ou commandements révolutionnaires, il y avait une interdiction de mal se conduire à l'égard des femmes et en tout cas de ne pas une interdiction de commettre des actes d'inconduite morale ? Vous avez évoqué un cas de dame qui était un ancien membre du personnel de Kreng Tachan qui est revenu à Kreng Tachan en tant que détenu. Vous avez, il me semble, indiqué que c'était à la suite d'une inconduite morale. Est-ce que vous savez si c'est en application de ces 12 règles, ces 12 principes moraux et ces 12 commandements révolutionnaires qu'il a été arrêté et ensuite mis au sein de ce centre de sécurité ? Tout à l'heure, mon confrère Copé vous a, enfin tout à l'heure et hier aussi, il me semble, vous a rappelé un certain nombre de déclarations de Say Sen. J'ai compris que vous avez indiqué que
vous rejetiez complètement ces déclarations. Je voudrais vous en lire verbatim, c'est-à-dire précisément mot à mot, certaines qui n'ont pas été citées par mon confrère, et vous poser ensuite des questions. La première citation que je vais faire des déclarations de Seysen se trouve au document E319.1.24, à la réponse 78. Voilà la question qui est posée à Seysen. Est-ce que le petit Duyck a commis des crimes? Sa réponse: oui, c'est Duyck qui a commis le plus de crimes. Il a violé d'innombrables filles d'unité itinérante, et le plus cruellement qu'il soit. Il les violait, les tuait et mettait des balles de M79 dans leur partie génitale avant de m'ordonner de les enterrer. Seng était le supérieur hiérarchique de Duyck et avait 12 soldats sous ses ordres, y compris Duyck lui-même. Fin de citation. Ma question, voilà. Ma prononciation est mauvaise, mais dans cet extrait, qu'il soit clair qu'il fait référence à vous. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux de dire que vous étiez le supérieur hiérarchique de Duyck avec 12 soldats sous vos ordres? Je vous demande de garder en mémoire ce qui vient d'être dit sur les actes commis par Duyck sur d'innombrables filles d'unité itinérante. Et je vais vous citer un autre passage d'une déclaration de Seysen. En fait, c'est sa déposition à l'audience du 5 février 2015, un petit peu après 11h22. Il s'agit donc de l'audience du 5 février 2015, mais cette fois-ci, un petit peu avant 10h38. Donc, PV d'audience E1-257.1, un petit peu avant 10h38. Et au sujet de ces fameuses agressions sexuelles ou ces viols avec des balles de 79, voilà la question qui est posée à Seysen. Je voudrais avoir des précisions maintenant sur ce que vous avez dit hier. Vous avez dit qu'un soldat ou un gardien avait violé deux femmes d'une unité itinérante et introduit des balles de 79 dans leur vagin. Est-ce que vous pourriez nous dire le nom du soldat qui agissait ainsi? Et la réponse de Seysen à cette question est la suivante. Oui, il s'agissait du petit Duyck et de Seng. Ils étaient deux. Fin de citation. À nouveau, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux de dire que vous avez, avec le petit Duyck, commis des agressions sexuelles sur deux femmes et introduit des balles de 79 dans leur vagin? Autre question. Tout à l'heure, lorsque mon confrère Copé vous indiquait ces accusations qui ont été portées contre vous, vous aviez indiqué que ce n'était pas vrai, que vous les rejetiez, et que notamment, si ça avait été le cas, si ça avait été vrai, vous auriez subi des actes de vengeance de la population. Ma question est donc la suivante. À part
ces accusations que nous vous avons indiquées comme ayant été portées par Seysen, est-ce que au sein de votre communauté, au sein de votre district, au sein de la commune, au sein de la région, est-ce que vous avez entendu d'autres personnes porter de telles accusations à votre rencontre, premièrement? Et est-ce que vous avez entendu de telles accusations contre le petit Duic? Je voudrais maintenant passer à votre déclaration de partie civile D-22-88. Et je précise que je m'intéresse tout d'abord à la partie B qui se trouve en français à l'ERN 01055815, à l'ERN en Khmer 00354360, à l'ERN en anglais 0037 9417. Dans ce formulaire de renseignements sur la victime, c'est comme ça que c'est intitulé, on demande la description des crimes qui auraient été commis. Et vous précisez, en tout cas, c'est précisé dans le formulaire que vous avez a priori signé, mon emprisonnement dans le centre de Krang Tachan. Ensuite, à la partie C, donc ERN suivant, c'est-à-dire en français 01055816, en Khmer 00354361, et ensuite en anglais 00379418. Donc dans cette partie C, vous précisez le préjudice ou les dommages que vous avez subis. Et il est mentionné maux de tête du bras gauche et du genou gauche à cause des éclats d'obus. Je vais citer un troisième passage de cette déclaration et je vous poserai ensuite ma question. Donc c'est la dernière page ensuite du document, donc ERN en français 01055822, en Khmer 00354366, en anglais 00379422, et voilà ce que vous expliquez sur l'origine de vos blessures. Vous dites: ma cuisse droite et mon genou gauche me font souffrir encore aujourd'hui, après avoir été blessé par des éclats d'obus durant la période où je servais dans l'armée au profit de la révolution Khmer Rouge. Fin de citation. Ma question précise est de savoir à quel moment avez-vous été blessé par des éclats d'obus. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année et quelle était votre affectation à l'époque?
Donc nous sommes bien d'accord que le préjudice dont vous faites état dans votre déclaration de victime n'a rien à voir avec la période au cours de laquelle vous étiez à Krang Thachan. Et tout à l'heure, lorsque vous avez évoqué la raison, une des raisons pour lesquelles vous vous êtes porté partie civile, vous avez indiqué le décès de votre père et de membres de votre famille. Première question, est-ce que vous avez des membres de famille qui ont été détenus à Krang Thachan? Et c'était pendant que vous y étiez affecté? Et pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné sur votre formulaire? Ça ne répond pas à mes questions. Pourquoi ne pas avoir parlé des autres membres de votre famille dans ce formulaire, sachant que vous avez évoqué votre période à Krang Thachan? D'accord. Et votre père, vous l'avez confirmé tout à l'heure, est décédé en 1973. Donc on est d'accord que son décès n'est pas intervenu pendant la période au cours de laquelle vous étiez à Krang Thachan. Est-ce qu'on est bien d'accord? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Thank you, Mr. President. Good afternoon. I have a very small correction, I think, to make in relation to what was just being translated. I heard the English translator say 79 bullets, but in English we're actually speaking about M79 grenades. Now it's a technical detail maybe, but I think the record should reflect that it is not 79 bullets, but M79 grenades. Oui, j'aurais une très brève question à la suite des questions qui ont été posées par Maître Guisset. Monsieur la partie civile, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les noms des membres de votre famille qui ont été détenus à Krang Thachan? Nous préciser exactement quels étaient les liens de famille qui unissaient ces personnes. Et s'ils sont décédés pendant que vous étiez? Mathieu,
Donc j'ai entendu un cousin et peut-être également une cousine où il n'y avait qu'un cousin, mais pas très bien compris. Donc, j'ai entendu que l'enfant de Minyet était Pouyout. Ou est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est l'enfant de Pouyout qui est Minyet? Et comment s'appelait-il? Donc il est mort pendant que vous étiez à Krang Tan Chan. Il est mort de maladie, il a été exécuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez des détails de cette exécution? C'était à quel moment il avait été interrogé, torturé avant? Qu'est-ce qui s'était passé? Monsieur Participe, je vous ai demandé expressément tout à l'heure si vous étiez présent lorsque votre cousin, lorsque des membres de votre famille étaient à Krang Tan Chan. Vous m'avez répondu oui. Aujourd'hui, maintenant, je dois comprendre que vous y étiez ou n'y étiez pas. Ils ont été détenus avant que vous arriviez à Krang Tan Chan ou ils ont été détenus pendant que vous étiez à Krang Tan Chan? D'accord. Est-ce que Ta'an ou est-ce que la direction du centre de sécurité savait que vous étiez parent avec ce détenu? Bien, je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Oui, Monsieur le Président. Merci. Juste une question suivie, parce que je n'ai pas tout compris. Monsieur South Sang, est-ce que vous venez d'indiquer que vous avez appris
par la suite que votre cousin avait été détenu, exécuté à Krengtachan. Quand vous dites par la suite, c'est quand vous avez quitté Krengtachan ou au moment où vous étiez à Krengtachan que vous avez appris hein, qu'il avait été détenu et ensuite exécuté? ខ្ញុំសូមកាត់តិចដោយសារថាស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរហើយមានការបកប្រែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានគឺដើមម្ដងនិយាយថាគាត់ចូលធ្វើការហើយក្រោយមកគឺគាត់នៅធ្វើការនឹងតដែលគឺទៅបងប្អូនគាត់នឹងចាប់មិនមែនគាត់ចាញ់ឈប់ពីធ្វើការកន្លែងហ្នឹងទេដូច្នេះមិនមានការបញ្ជាក់លើសហ្នឹងទេគឺសំណួរបងគាត់តែជាគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់ចាញ់ហើយបានដឹងតែក៏ពិតគឺគាត់នៅទីហ្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កូនក្ត
លោកសូតសាំងក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេនីលោកអាចថ្លែងរៀបរាប់ជូនដល់អង្គជនជំរះស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទពីរូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំពោះលោកក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យលោកតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេនីប្តឹងទាមទារសំណង ជំងឺចិត្តនិងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោតនិងពីស្ថានភាពផ្ទះធនកម្មដែលមានជាអាតការខូចខាតផ្នែកខាងរាងកាយសម្ភារៈឬផ្លូវចិត្តនិងផលវិបាកដែលផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋផ្ទះធនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងមានពិតប្រាកដរហូតដល់សពថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គតុលាការសូមជាតិអមរណឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសោកស្ដាយឪពុកបងប្អូនជីដូនមួយឬមីងមាទាំងរូបខ្ញុំខំតស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិបង្ហូរឈាមដើម្បីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនធ្វើអំពើខូខូប្រេងផ្សាយខ្មែរសម្លាប់ខ្មែររបៀបនេះខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេបាទ ក្នុងនោះទៀតខ្ញុំសូមអំពាវនាវគ្រប់សហបានរបស់រដ្ឋដែលសំណងកសាងជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអនបានបានដោយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យជួយទាមទារតតែបានបាទក្នុងរដ្ឋប្រពៃណីនេះខ្ញុំស្ដាយមកជីវិត ដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាំមិនបំភ្លេចបានទេបាទក្នុងលក្ខណៈខ្ញុំខំតស៊ូដើម្បីកងទ័ពការជំនាន់នោះគឺវេទនាជាទីបំផុតគ្មានសម័យណាប្រៀបបានទេវេទនាទាំងបាញ់ប្រហារវេទនាទាំងកប៉ាល់ហោះវេទនាទាំងស្បៀងអាហាររស់នៅហូបចុកបុកទៅពីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បី ថាជាតិដឹកនាំឲ្យបានអស់ផ្ទុយទៅវិញជាតិខ្មៅក៏ខ្វក់ដូចពួកនៅក្នុងបាតត្រពាំងអញ្ចឹងក្នុងនោះហើយខ្ញុំសូមឲ្យទទួលសូមទៀតដើម្បីរកខុសតាងរកការដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យឃើញឲ្យបានពិតប្រាកដ ហើយក្នុងសំណងកសាងជាតិមាតុភូមិខ្ញុំបាទឲ្យបានកុំការរងរឿងដោយខាងដើមវិញបាទសូមអរអង្គជំរាបសូមអរគុណចំពោះលោកសុតសាំងដែលបានមកដល់ទៅខេត្តកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃមកនេះសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមភាកទីនក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះ លែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតរួចជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកសុតសាំងវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកញ៉ែមសំណាងបុគ្គលិកគាំពារ ใส่หนังเนี่ยจมเนียงได้บานช่วยสำหรับรถอุปกรณ์บำรุงสำเร็งขนมอมลองเพื่อสัมนาการสำหรับใครกำโสดสังระยะปีปีไงกลมองนี้ใครการสำหรับใครกำโสดสังบานเจาะหายลูกอายสำหรับบานหายให้มุนไปลูกโสดสังจะเจงบุกลึกรถบ้าได้ความตรวจกันสำนาการสำนาการรูดแวงนนบางคันบรรทุกสำนาการหนึ่งซาสำนาการเสียบสาธิตนะจุนใครกลอยปีโสดสังจะเจงเต๋อบางแวงนนวิ่งนั่งเอาโยกรถบังหลบแล้ดัก
ចាសសូមអរគុណលោកប៉ែនណាតបាទរូបបើកពីណោនវិញហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញសយសែនចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសិក្សាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណាការ បាទជាបន្តទៅនេះយើងអង្គជំរះធ្វើសម្ដែងការបន្តស្ដាប់សកម្មកម្មដើមរងរដ្ឋប្រវេណីសយសែនហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបភិក្ខីនឹងសាធារណជនថាលោកសយសែនដើមរងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះត្រូវបានអង្គជំរះស្ដាប់សកម្មចាប់ពីវគ្គទី2ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហា ពីបញ្ហាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅអតីតជាបុគ្លឹកធ្វើការនៅមន្ទីរសម្រាប់មនុស្សក្រាំងតាច័ន្ទហើយនឹងបញ្ហាទី2មានការស្នើសុំវិធានការការពារនឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានការលើកពេលធ្វើសម្ណាការដោយពិចារណាលើសំណើសុំហើយនឹងមានការ ស្ដាប់នៅអនុសាសន៍របស់ខាងអង្គភាពគាំពារសហសីនិងអ្នកជំនាញប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺថាសយសែនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហរវិញគឺថាគាត់សុខចិត្តដកនៅសំណើសុំវិធានការការពារអញ្ចឹងហើយទើបថ្ងៃនេះយើងធ្វើការសម្ណាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសយសែនដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះជាថាធារណៈហើយអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមមេធាវី នៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរួមទាំងសព្រះរាជញ្ញាមានពេលវេលាមួយម៉ោងក្នុងការសួរចុងក្រោយសួរសក្ខីកម្មសួរដេញដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះសូមអញ្ជើញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណី
Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est ma consoeur, Souvana Rimok, qui va poser les questions à son client, Monsieur Saïsen. សូមអរគុណលោកប្រធានជាដំបូងសូមគោរពដល់អង្គសាវនាការទាំងមូលហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូសយសែនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមកចំនួនតូចដើម្បីសួរបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលលោកពូបានថ្លែងកាលពីសាវនាការពីលើកមុនដោយដែលលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រាបបានជម្រាបថាលោកពូបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកពាក្យស្នើសុំពីធានាការការពារខ្លួនរបស់លោកពូអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកពូហាក់ដូចជាមិនមានការភ័យខ្លាចតទៅទៀតអញ្ចឹងសំណួរដំបូ
ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅពេលវេលាមុនពេលបើកសាវនាការនេះនៅពេលដែលលោកពូសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការឡើងមកថ្លែងសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោកពូថានៅពេលដែលលោកពូសម្រេចចិត្តដំបងនៅក្នុងការឡើងមកធ្វើសក្តិកម្មនៅទីនេះនៅពេលនេះថាតើលោកពូសម្រេចចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកពូត្រូវសម្រេចចិត្តឡើងមកធ្វើសក្តិកម្ម Nhóm láng mò sẽ thấy cam nấu từ lá ca này cứ đồng bay ăn miên nạn nam mới cứ bằng khát khom nhóm mà rước đồng bay bọc cột nhóm toan gỡ ăn miên này nhóm mò đi mò đồng bay khát càng nghiệp toan làm kỳ hiệp ca cứ sa mà nhóm bàn tay nhóm mò bấm lư vì sự may ở khát được cam nâng mình sẽ co roi còn mình đã khơi mà hay nâng xong ăn tô từ lá ca khát co mình đã chuột ôp sạ nâng đại toàn toàn chuột bánh hà sừng cung bọc kê trong trường này mà nhóm mò mò đồng bay bấm lư nâng xong đại ca ở xoay ro ca bất bà cái lãnh bất bàn hiểm vậy bà mất bất cái nhóm mặt làm vậy bà đây bà sốm ở con lục pu sốm nô trong cao được bao nhóm khi nhóm trong số lục pu tha nếu bây đây lục pu lang mất phôi sạch hay cam chìa sáng thì là nạn nơi chấm pu mộc ong chấm nôm chấm rẻ nơi ở nông sản lạc đây mai có hòm này cao pi ca đây lục pu ban pro cho mộc chấm muối nâng cao phay lại đội đây ban เคยในក្នុងសាវនាការការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនតើការដែលលោកពូឡើងមកធ្វើសក្តិកម្មនៅទីនេះតើបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជូនទៅដល់បុគ្គលរបស់លោកពូផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទៅដល់អ្នកណាម្នាក់តើមានផលប្រយោជន៍អ្វីដែលលោកពូឡើងមកថ្លែងសក្តិកម្មនៅទីនេះមកតាមដែលខ្ញុំឡើងមកទៅថ្ងៃកម្មតើខ្ញុំ គិតនឹងពិចារណាខ្លួនឯងថាអត់មានចំណែកបុគ្គលខ្ញុំគឺអត់មានសោះអត់មានបានតែមកផលប្រយោជន៍បានតែលើអ្នករងគ្រោះពីចំនួននោះបាទនឹងឆ្លាប់ឡើងនឹងគៀលអ្នកតាមគុកនីមួយនឹងមួយគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទាំងអស់បាទខ្ញុំឡើងមកដើម្បីសំណុំមុខនៃអ្នកបានចែកឋានទៅទាំងអស់ឃើញចំណែកបុគ្គលខ្ញុំនៅរស់នៅសពថ្ងៃគឺអត់ដែលមានអីផ្ដាល់នឹងផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអត់មានអត់មានសោះបាទខ្ញុំមកនៅខាងការងារបច្ចុប្បន្ននេ
Bien, alors j'ai une longue question à vous poser. Je vais d'abord l'introduire et citer un certain nombre de déclarations de ces gardes, c'est-à-dire Petit Dutch, Sun ou Son, le messager, Seng, ainsi que Sim, qui a lui-même été entendu par les enquêteurs des juges d'instruction. Ils ont tous confirmé qu'à l'exception de quelques survivants, comme vous, et comme la famille de Ye Nyor, et à l'exception de quelques transferts, tous les prisonniers à Krang Ta Chan étaient exécutés, en ce compris les hommes, les femmes et les enfants. Ils ont aussi dit que certains de ces prisonniers avaient été interrogés et ou torturés durant les interrogatoires. Par exemple, Van Seun, donc le messager, a confirmé le 4 mars 2015 devant cette chambre, c'est le numéro E1-271.1, vers 10h47 à 10h49. Il a confirmé la réponse 21 de son procès-verbal d'audition E319.1.33. Dans cette réponse, il disait que parfois on exécutait les enfants, parfois on les libérait avec leur mère. Il a reconnu devant cette chambre que le nombre d'enfants qui avaient été libérés avec leur mère s'élevait à moins de 10. Confronté aux déclarations de Sreitan alias Petit Dutch, il a dit à 10h50, donc toujours Van Seun, il a dit être d'accord avec Sreitan alias Dutch pour dire que 99% des prisonniers de Krang Ta Chan ont été liquidés. Autre exemple, Sao Tseng a dit hier à peu près 14h19, je cite, « Comme je l'ai dit, lorsqu'un père ou une mère était tué, les enfants disparaissaient également. Donc, j'imagine qu'ils étaient exécutés. » Fin de citation. Ces quatre gardes, Petit Dutch, Sun ou Son, Seng et Sim ont tous dit que les interrogatoires, les exécutions étaient uniquement conduits par les membres du personnel qui étaient membres du comité de la prison ou membres du parti ou de l'unité de direction, comme par exemple Ta On, Pen, Chen, Meun, Siing, ou le grand Dutch. Et avant de vous poser la question, je vais lire quelques extraits de leur déposition devant cette chambre, en commençant par Sreitan alias Dutch, le 23 février 2015. C'est le document E1-267.1. À 9h26, il a dit ceci. Mon groupe de 6 personnes ne faisait pas partie du personnel de la prison. Nous ne pouvions monter la garde qu'à l'extérieur. C'était le personnel de la prison, et non pas nous-mêmes, qui était chargé d'amener les prisonniers à la salle d'interrogatoire pour ensuite les raccompagner au lieu de détention. Fin de citation. Van Seun, le 3 mars 2015, transcription E1-270.1, à 15h23, a dit ceci. La question qui lui est posée est la suivante. Vous avez cité 3 noms, Han, Cheng et Pen. Est-ce que les autres membres du parti jouaient également un rôle pendant les interrogatoires ou ne jouaient-ils aucun rôle? Réponse de Van Seun. En fait, ils se relayaient dans cette tâche. Question. Donc, les 6 membres du parti se relayaient pour interroger les prisonniers. Est-ce que c'est bien correct? Réponse, oui, c'est exact. Et Van Seun a poursuivi en niant que les 6 gardes de sécurité dont il faisait partie surveillaient le lieu d'interrogatoire ou
amener les prisonniers au lieu d'interrogatoire. Encore deux dernières citations, 27 le 4 mars 2015. Transcription E1-271.1 à 11h07. A dit ce qui suit, je cite, « Pour nous, monter la garde à l'extérieur, c'était notre tâche. Ceux qui travaillaient à l'intérieur œuvraient à l'exécution des prisonniers. C'était leur tâche. » À 11h08, il a dit, « Question, pendant l'exécution, savez-vous qui était chargé, qui en était chargé ou qui étaient les bourreaux ?» Réponse, c'était les six membres du parti. Fin de citation. Et je vais poursuivre avant qu'il y ait une objection, si je peux me permettre. Thank you, Mr. President. I'm not quite sure what the prosecution is doing other than giving sort of short crash course to this civil party as to what the earlier testimony was. I'm sure I cannot keep up with already the first part of what has been read out. I mean, of course, I have no problem if this civil party is being confronted with a specific excerpt from somebody's testimony, but feeding him all this testimony in 15-minute during questions seems a bit odd to me. Notwithstanding the fact that counsel is making closing submissions, it seems, because I have a totally different recollection as to what the guards, in fact, saw with their own eyes. So, I'm happy to continue listening to this, but I don't see any purpose of it. I object to this line of question. Monsieur le Président, si je peux répondre, j'en ai presque fini avec ces citations. C'est important de les lire pour avoir la réaction de la partie civile, puisque toutes ces personnes, bien entendu, ont été confrontées par la défense aux déclarations de la partie civile, avec même chaque fois la suggestion par la défense que la partie civile aurait menti. Donc il me semble utile de rappeler ce qui a été dit dans cette salle d'audience pour pouvoir poser ma question à la partie civile. Est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président? Non, on y met un peu de pire à tout le monde.
ក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ្ហាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលមានការមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនដែលមានការមានបញ
OK. D'après vos observations, est-ce que les gardes de sécurité, comme Saut Saint, Sorn, le messager, le petit Dutch, et Sim, ainsi que Tutch, et si je ne me trompe pas, Hook, est-ce que ces gardes de sécurité devaient obéir aux ordres et aux instructions qui leur étaient données par Ta'an ou un autre membre du comité de la prison? Vanson a confirmé cette obéissance en disant à l'audience le 3 mars 2015, c'est la transcription E1-270.1, à 15h13 jusqu'à 15h15, il a dit ceci. En tant que subordonné, oui, nous devions obéir aux ordres. Les ordres étaient donnés par les supérieurs hiérarchiques. Si nous n'obéissions pas, eh bien alors nous étions détenus dans la prison. Fin de citation. Est-ce que vous-même, vous avez pu voir ce qui se passait lorsqu'un garde n'obéissait pas aux ordres donnés par Ta'an ou Ta'peng ou Ta'chen? Alors, je vais vous demander si vous avez pu observer quel était le rôle des gardes de sécurité, comme Saut Sang, le petit Dutch, Sim et Sun, ou Sorn, le messager. Est-ce qu'ils devaient, selon les ordres de Ta'an ou de la direction, amener les prisonniers qui étaient nouvellement arrivés à la prison depuis la clôture extérieure jusqu'à la maison de détention des prisonniers. Est-ce que vous avez également vu ces gardes de sécurité surveiller les prisonniers lorsqu'ils travaillaient pendant la journée? Est-ce qu'il arrivait que des gardes de sécurité comme Seng, Sim, le petit Dutch ou Sun, surveillent les prisonniers? Ou bien c'était toujours vous qui le faisiez? Bien. Est-ce qu'il arrivait à ce même garde de sécurité d'escorter les prisonniers de la maison de détention vers le lieu d'interrogatoire pour qu'ils soient interrogés? Matt Cohen, quand Dovin, quand il y a
Une fois qu'ils étaient au lieu d'interrogatoire, est-ce qu'ils retournaient à faire d'autres occupations ou bien restaient-ils là pour surveiller le lieu d'interrogatoire pendant que les prisonniers ou le prisonnier était interrogé? គាត់នៅក្នុងគុយកៅអីក្នុងគុយក្រៅបើមានកៅអីមានឈើដុំកាត់ជាកង់គាត់ក្រោមគុយនៅហ្នឹងគាត់នៅចាំគាត់គុយចាំអ្នកទោសហ្នឹងគាត់កាន់កភ្លើងគ្រប់ដៃពីរអ្នកហ្នឹងកភ្លើងពីរដើមដែរហើយតាចេងហើយនឹងតាអានហើយតាពេញគាត់នៅគុយសួរចម្លើយហើយតាពេលធ្វើទរណកម្មកងទ័ពនឹងអ្នកធ្វើទរណកម្មបាទយកអាថ្មងអាសៃថ្មងប្រវែងវែងដល់វាយសួរចម្លើយហើយកងទ័ពអ្នកយកកស៊ូសែងកស៊ូកណាហៅកណាត់ភ្លៀងយកមកចងមកហើយដាក់ដៃក្រោយវាយសួរចម្លើយបាទ Donc quand vous dites les soldats est-ce que vous faites référence à ces gardes de sécurité comme Petit Doutz, Sim, Seng et Sorn. Nung Sorn nung. Lok somdai te dal puok kwat nung te ne pe la lok ngai tha kong toap nung. Bat kong toap puok kwat nung men pi na te me kwat nung neak nou nung kalai nung. Ta krom khnie kwat nung men neak datai na to chumnuh ot te ta puok kwat nung neak nou kalai nung. Ma ngai ai klai mo ngai ai chap chop keu neak nou krop krang achan keu neak thiet ko neak dai dal tang os ot men neak na muoy nou krau ot men te ba. ដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយវាប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសមាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់ដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនិយោគនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សមាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ